proclame. Seigneur, proclame. Que Jésus sauve. That Jesus saves. Jésus pardonne. Jesus forgives. Jésus délivre. He delivers. Jésus guérit. Jesus heals. Jésus revient bientôt. Jesus is coming very soon. Si tu as été désenfoûté. If you have been disbewitched. Ou si on a chassé un démon. Or if a demon has been cast out. De ta vie. From your life. Viens rendre témoignage. Come and testify. Je suis le frère Kofi Marc Anthony David. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Traé. Je veux dire merci à Dieu d'abord pour cette église qu'il m'a donnée en cadeau. Et ma délivrance, pour moi, a été basée sur la pureté de la parole, de l'enseignement des disciples, des faiseurs de disciples ici, qui m'ont emmené à la repentance et à être délivré d'un esprit des eaux, d'un esprit de célibat et d'un esprit de mort. Mon père est mort, célibataire, c'est-à-dire il a divorcé, il est mort endetté. J'ai perdu deux de mes sœurs en 2 ans, une l'année surpassée et une autre l'année dernière. Je suis issu d'une famille de 6 enfants et les 3 qui sont mariés, il y en a 2 qui sont décédés, ce sont mes 2 sœurs. Je suis le dernier qui est resté. Et quand je me suis marié, le jour de ma nuit de noces, j'ai reçu la visite dans ma chambre de l'esprit en personne de ma grand-mère qui m'a dit « Marc, tu as osé te marier. Parce que tu penses que tout l'argent que tu as, c'est pour, excusez-moi du thème, c'est les mots qu'elle a employés. C'est pour cette pétasse de femme avec laquelle tu es couché et ce bâtard d'enfant que tu as fait. Écoute-moi bien, on va te ruiner. Abidjan ici, dans ce pays, tout ce que tu as, tu vas le perdre. Tu seras endetté à un niveau de vie que tu ne pourras jamais imaginer. Et la mort va suivre. Alléluia. Et cette condamnation m'a suivi et Dieu m'a délivré. Je vais vous dire comment. Je veux bénir la vie d'une maman ici, je ne sais pas où elle est assise, maman Aka. Cette femme-là suivait mon épouse. Quand elle est venue à la maison, elle a cherché à me rencontrer. Et je vous assure que je vivais dans l'adultère depuis le mariage. Et dans l'adultère, je suis resté dans cet adultère jusqu'à il y a peut-être 3 ou 4 mois. Mes frères, ce n'est pas facile. Ce que je suis en train de vous dire, je bénis Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Je sais qu'elle est assise là-haut. Vraiment que Dieu la bénisse. Acclamons pour elle. Let us clap. Tu peux venir. Come. Je vous dis ça pourquoi. Non, descends. Come down. Acclame. Clap. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Célébrons la victoire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ. The victory of Jesus. La victoire de Jésus-Christ. The victory of Jesus. La victoire de Jésus-Christ. The victory of Jesus. Cette femme-là s'est promenée dans toutes les églises pour que je puisse avoir la délivrance. Je l'ai fait souffrir. Quand je dis je l'ai fait souffrir, je sais de quoi je vous parle. Le péché d'adultère m'a emmené à avoir 2 enfants dehors. Quand je vous dis que Jésus pardonne, cette femme-là, quand j'ai réussi à me repentir devant maman Aka pour lui dire la vérité. Maman Aka m'a aidé à dire la vérité à mon épouse. Elle m'a pardonné. Acclamons pour Jésus. Pour Jesus. Acclame. Blab. Acclame. Blab. Pour Jésus. Blab. Pour Jésus. Alléluia. Satan est un menteur. Ça fait 1 semaine que j'essaie de me lever pour venir rendre le témoignage. Dès que je me mets là, je commence à vomir.
et je retourne à ma place. Aujourd'hui, j'ai dit au Seigneur, c'est ton jour. Je vais me lever et je vais honnir Satan. Et je bénis Dieu pourquoi ? Depuis 3 mois que le Seigneur m'a fait la grâce de me repentir et de dire la vérité à mon épouse, cette dernière avec laquelle j'étais, j'ai rompu et j'ai coupé tout avec elle. Acclamons! Acclamons! Pour Jésus-Christ! 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 Alléluia! Mais pour vous montrer combien de fois les idoles personnelles peuvent détruire la vie d'une personne. Avant-hier, quand le pasteur était en train de parler des idoles personnelles, à peine il a commencé à parler des idoles personnelles. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait puisque j'ai bloqué tous ses numéros. Elle m'a recontacté avant-hier. Mais je lui ai dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus-Christ. Le premier jour, j'ai mis mon pied dans cette église. Le premier songe que j'ai fait, c'était ma propre grand-mère qui m'avait donné ces paroles-là, qui se trouvait dans une eau et qui sortait de cette eau. Il faut dire que dans notre famille, la majeure partie des personnes meurent du cancer. Et ma petite sœur qui est décédée est morte du cancer de sein. Et ma grand-mère sortait de l'eau et il y avait le pasteur qui était juste devant et j'étais juste devant lui. Et elle disait comme ça, « Marc, nous sommes délivrés du cancer. » Et au même moment où elle disait ça, il y a eu 2 chants qui sont sortis. Le premier chant parlait de liberté et le deuxième chant parlait de victoire. Jésus. Je veux dire merci à Dieu. Et le merci que je veux dire à Dieu, c'est pour ce... Je ne sais pas si je dois dire un ministère ou une église, mais le désir que les faiseurs de disciples ont ici, franchement, je vous assure que ça m'a marqué. J'ai vu une femme comme Maman Aka, quand j'ai commencé à être rebelle au début pour lui parler. Where is she? Viens voir tes enfants. Come and see your kids. Cette femme-là était toujours en train de dire, mon fils, Jésus t'aime. Mon fils, Jésus t'aime. Et c'est la pureté du message qu'elle m'a donné qui m'a emmené. J'ai rencontré des pasteurs, j'ai rencontré des hommes de Dieu. Mais ce secret, il était dans mon cœur. Je n'avais pas la force de dire à quelqu'un. Mais cette femme-là, dans la pureté de la parole et de l'évangile et de l'amour qu'elle avait, m'a emmené a fait sortir ce qui était caché en moi et de le révéler au grand jour. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Lève Jésus. Acclamons, lève Jésus. Acclamons pour Jésus. Lève Jésus. Et je veux rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Quand cette maman-là est venue me voir, que je me suis repenti, que j'ai parlé, le diable a voulu se manifester pour ne pas que je parte à la repentance et à la délivrance. J'ai pris 3 jours de jeûne. Au moment de la repentance, il y a eu une résistance. Et après, elle a confié à mon épouse d'aller voir le pasteur Traillé, ce merveilleux monsieur qui m'a accordé la grâce de la vie. Jésus-Christ. Le pasteur Traillé aussi m'a rencontré. Il m'a fait faire 3 jours de jeûne avec mon épouse. Le jour de la repentance, j'ai trouvé un argument encore pour partir. Il est parti au Cameroun. Du Cameroun, j'ai ressenti le besoin, avec l'insistance de mon épouse et de Maman Aka,
de faire encore à nouveau la repentance et de passer au brisement des liens. Et quand mon épouse a appelé le pasteur Traillé pour lui dire, mon mari a décidé de le faire, il dit, toi, ton mari seulement, personne ne fera sa délivrance. Tu vas attendre que moi j'arrive, parce que son cas est particulier. Et Dieu m'a fait la grâce, j'ai fait la repentance, j'ai fait le brisement des liens et j'ai fait le baptême. Jésus. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour ce cadeau qu'il m'a donné, qui est la CMCI. Et je tiens à vous dire, pour ceux qui ne savent pas le cadeau qu'ils ont, en tout cas moi, j'ai déposé mes bagages. Je reviendrai ici parce que j'ai posé un acte sur une condamnation que ma grand-mère a posée qui était « Tu seras endetté ». Mais je reviendrai pour rendre le témoignage sur la délivrance de l'endettement parce que je suis déjà délivré de l'endettement. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus-Christ. 10 personnes pour dire merci à Jésus. 10 people to give thanks to the Lord. Montez ici. Come up here. Seigneur, merci. Merci pour tes grands bienfaits, pour ton peuple, pour nos familles. Allons aussi loin que nos vieux se portent, Seigneur. Merci, merci, merci de tout cœur. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Oh Père, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Pour les délivrances personnelles et pour les délivrances familiales. Merci pour le salut de nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci infiniment, Seigneur, pour ta présence, ô Dieu, pour la manière dont tu nous conduis dans ces combats. Merci pour les délivrances que tu opères pour nous et nos familles. À toi seul l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as une vision, une révélation qui peut édifier le peuple, viens. If you have a vision or a revelation that can strengthen the people, come up here. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Eduku Léa. Mon fils est disciple est lancé de Gonzague et j'adore les Eduku. Et hier, franchement dit, j'avais pour l'habitude de dire, quand j'allais avec les frères en voiture, je disais à Dieu dans la voiture que Seigneur, tu montres des visions. Mais moi, dans cette croisade, je veux que tu me montres quelque chose pour que je puisse venir sur l'estrade pour édifier tes enfants. Et franchement, hier, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. C'est qu'on demande à Dieu avec foi, il les ose. Sans douter, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Papa m'a mis en train de prier. Il dit, on brise, on déchire les ventes. Qu'est-ce que je vois? Dieu m'ouvre les yeux. Et puis, qu'est-ce que je vois? C'est comme, c'est comme un train, un long train. Et puis, les enfants, les âmes étaient dans ce train-là enfermés. Et quand le pasteur a dit, je déchire le ventre, je vous dis, le wagon-là, c'est ouvert. J'ai dit, tout le monde était vraiment entrelacé, comme des choses. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres là? Il dit, ma fille, tu n'as pas dit que tu voulais voir quelque chose? Voici ça, je te montre qu'il y a d'autres en vos familles sont entrelacées. Je viens de les libérer. Je veux dire merci. Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Et je crois. Non, demain, j'aurai mon témoignage de ce que s'est passé hier. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, c'est la sœur Séké Arlette Marcel. Mon fils a dit, c'est le pasteur Mathias. Avant-hier, comme nous avions prié ici pour les idoles de nos familles et nous, donc je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier avec insistance jusqu'à ce que je ferme les yeux, je me retrouvais au temple, ici. Et il y avait une personne dont je ne voyais pas le visage, habillée en blanc, qui était auprès du papa Meunier. Et puis maintenant, quand il est assis, il est derrière lui. Maintenant qu'il marche, la personne est toujours auprès de lui, à chaque mouvement. Et le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert, puis les anges descendaient. Ils donnaient des trousseaux de clés.
en or, même les trousseaux de clés en or, les clés étaient en or, même ceux qui tenaient les clés étaient tout en or. Ils déposaient chacun dans le bras de chaque personne. Ils demandaient dans les bras de chaque personne. Et ils mettaient d'autres délivrances, ils mettaient leur liberté, ils mettaient l'autre prospérité. Et puis maintenant, ils déposaient. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Hier après-midi, aux environs de 14 heures, j'étais en train de prier pour la famille et je priais comme ce que le pasteur Minier nous demande, de prier pour l'assemblée. Donc je priais pratiquement pour toutes les familles de toutes les assemblées. Et à un moment, j'ai commencé à m'endormir. Et du coup, je vois une vision où c'était comme si le ciel était ouvert et des anges, des multitudes, des milliers d'anges étaient en train de descendre sur la terre. Et le premier ange qui était devant disait, le sujet qui est à cœur du pasteur Minier est que tous ceux qui sont perdus reviennent dans le pâturage. Et donc, les anges ont commencé à rassembler une multitude de personnes dans chaque famille qui était égarée. Et ils les ramenaient, c'était comme s'il y avait un pâturage où l'enclos était ouvert. Et au fur et à mesure que les gens rentraient, ce n'étaient pas des personnes, mais c'était des brebis qui étaient en train de remplir le pâturage. Et je me suis réveillé. Donc voilà le songe, la vision que j'ai reçue. Adore le Seigneur. Clap the Lord. Adore Dieu, adore. Worship God. Oh,
Asseyons-nous. Let us get seated. Nous allons lire. We are going to read dans le livre du prophète Jérémie. In the book of the prophet Jeremiah, chapitre 17. Chapter 17. Du verset 1 au verset 8. Reading from verse 1 to verse 8. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans un désert, dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Amen. Ce texte annonce la punition des rebelles, des méchants. This text is about the punishment of the wicked one, the rebels. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. The sin of Judah is written with a pen of iron. Avec une pointe de diamant. With a point of diamond. Il est gravé sur les tables de leur cœur. It is engraved on the table of their heart. Et sur les cornes de vos autels. And on the horns of your altar. Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, Dieu écrit ce péché dans tout ce que tu fais. God write that sin in all that you do. Si tu lis la Bible, if you read the Bible, il écrit sur la couverture là, il écrit tous tes péchés dessus. He writes on the coverture, he writes all your sins on it. Si tu vas pour offrir les sacrifices sur l'autel, if you go to offer sacrifices on the altar, tu trouves que sur les cornes de l'autel, on a écrit adultère, mensonge, vol. On a écrit sur les cornes de l'autel, on écrit tes péchés dessus. You find that on the horns of the altar, all your sins are written on it, on them. Dans quel but? Why? Dans le but de choquer ta conscience. In order to shock your conscience. Dieu veut que tu sois troublé dans la conscience. God wants you to be troubled in your awareness. Quand tu vis dans le péché, when you live in sin, Dieu trouble ta conscience. God trouble your awareness. Si tu as même un véhicule, even if you have a car, s'il y a crevaison, if there is a flat, tu entends adultère. Pendant que le pneu s'explose, boom, toi tu entends adultère. As the tire is burst, then you hear adultery. Dieu te tourmente. God torment you. Il te rappelle ton iniquité. He recalls your iniquities to you. Il t'empêche de te reposer. He prevents you from resting. Il écrit ça même sur les cornes de l'autel. L'autel où tu t'en vas pour adorer Dieu, tu trouves que tes péchés sont gravés sur les cornes de l'autel. When the altar where you go to worship God, you will find out that your sins are engraved on the horns of the altar. Et c'est écrit avec un burin de fer, c'est écrit avec du diamant. Tu ne peux pas effacer. And it is written with an iron of with a pen of iron and with diamond, you cannot erase it. Il y a des gens qui disent, il faut que je boive un peu, je vais oublier mes fautes. Tu bois, tu es troublé davantage. And some people say that let me drink a bit of alcohol and I forget my problem. When you drink, God troubles you more. Tu prends la cigarette, tu fumes, tu es troublé. You take cigarette, you smoke, you are troubled. Tu te drogues,
Tu es troublé. You take drug. You are troubled. Tu blasphèmes. Tu dis Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Tu es troublé. You blaspheme, saying that God does not exist. You are troubled. Tu es gravé avec du diamant, avec your bureau de fer. Your sin is engraved with diamond and a pen of iron. Il va te suivre partout où tu iras. And he will trouble you wherever you go. Tu entres dans un temple, on prêche. Toi, tu es troublé. You enter a temple and people preach the gospel. You are troubled. Tu vas même sous une grotte de Marie. Dieu te poursuit là-bas. Tu es troublé. You go on an image of Mary and you are there. You bend there. You are troubled. Tu fuis. Tu achètes le Coran. Tu es troublé. You buy Koran. You are troubled. Tu tentes de te suicider. Il refuse. Tu tombes malade et tu guéris sans mourir. You try to commit suicide. You do not succeed, and God refuses, mais and you tu, fall sick. Mais tu sens la douleur de tes fautes. But you feel the pain of your faults. Pourtant, Dieu n'est pas méchant. Yet, God is not wicked. Parce qu'il a béni l'homme. Because he blessed man. Il a donné l'héritage à chaque homme. He gave an inheritance to each man. Il n'y a aucun homme qui venant dans ce monde est venu vide, pauvre. There's no man who came in this world came poor and empty. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? What does God say? Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tous tes trésors. He says, oh, my mountain in a field, I will give as a plunder your wealth, all your treasures. Et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. And your high places because of sin within all your borders. Quand tu te détournes de Dieu, when you turn your back from God, il livre ce qu'il t'a donné au pillage. He delivers what he gave you to plunder. C'est là le premier malheur de l'homme. This is the first unhappiness of man. Dieu ordonne, God commands, que tes biens soient détruits. That your wealth be destroyed. Et il dit, and he says, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. And you, even yourself, shall let go your heritage which I gave you. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. And you shall let go of your heritage which I gave you. Il dit, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. And I will cause you to serve your enemies in the land which you do not know. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. For you have kindled a fire in my anger, which shall burn forever. Quand les gens décident de vivre dans l'idolâtrie, when people decide to live in immorality, ils allument la colère de Dieu. They kindle the anger of God. Et cette colère ne va pas s'éteindre. And that anger will not quench. Tout le bien que Dieu a prévu pour toi. All the good that God has planned for you. C'est par ta propre faute que tu vas perdre ça. It is by your own fault that you will lose all. Vous voyez comment notre frère revient en pleurant avec deux enfants qu'il voulait cacher. You see how our brother is came back crying with two children, two kids that he wanted to hide. Il avait déjà perdu sa jolie femme. He had already lost his beautiful wife. Et il est plein de dettes. And he is full of debt. Jésus vient de l'en délivrer. Jesus has just delivered. Tu perdras par ta faute. You will lose by your fault. L'héritage que je t'avais donné. The heritage God gave you. C'est par ta faute. By your fault. Que tu as perdu ce que Dieu t'a donné. God, you have lost what c'est God par gave ta you. Faute. It is by your fault. Que tu as perdu tout ce que Dieu avait prévu pour toi. That you have lost all that God had planned for par you. Par tes péchés. By your sins. Tu as perdu les richesses que Dieu avait préparées pour ton bonheur. You have lost all the wealth that God has planned for you.
Par ta faute. By your fault. Par ton désordre. By your disorder. Par ta rébellion. By your rebellion. Tu es tombé dans des pièges. You have fallen in some traps. C'est toi-même. It's you yourself. Qui as cherché ton malheur. Who sought your unhappiness. Tout était préparé pour toi. All the goods that God planned for you. Tout était préparé pour toi. All the good planned for you. Voici ce que Dieu dit. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Thus says the Lord, cursed is a man who trusts in man. Qui prend la chair pour son appui. And makes flesh his strength. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Whose heart departs from the Lord. Il est comme un misérable dans le désert. For he shall be like a shrub in a desert. Il ne voit point arriver le bonheur. And shall not see when good comes. Il habite les lieux brûlés du désert. But shall inhabit the parched places in the wilderness. Il est dans le désert. That is, he's in the wilderness. Mais dans les endroits les plus brûlés du désert. But in the places that are burnt in the desert. C'est Dieu qui fait ça. It is a doing of the Lord. Pour punir celui qui s'éloigne de lui. And humiliate the one who departs from him. Celui qui fait les plans avec son intelligence. He is the one who makes plans with his understanding. Il se dit non, je suis sage, je veux planifier ça, ça va marcher. He said no, I am wise, I will plan this and it will work. Et ça échoue. He tries but it fails. Il dit je vais chercher les techniciens. He said, I'm going to seek technicians. Il s'appuie sur eux. And he leans on them. Ils essayent, ça échoue. They try, but it fails. Il va chez les marabouts. He goes to the fortune tellers. Ils essayent, ça échoue. They try, but it fails. Il prend l'horoscope. He takes horoscope. Il lit dedans. He read in. Il essaie de marcher. He tries to walk. Selon les conseils de l'horoscope. According to the advice of horoscope. Il échoue. He fails. C'est Dieu qui te fait échouer. This is the doing of the Lord. C'est Dieu qui te fait. It is God that makes you fail. Dieu n'aime pas l'orgueil. God doesn't love pride. Dieu n'aime pas l'orgueil. He doesn't like pride. Dieu n'aime pas qu'on le défie. He doesn't want you. On ne défie pas l'Éternel. We don't challenge the Lord. Tu le défies. If you challenge him, tu auras ta part. You will have your portion. Il va te résister lui-même. He will resist you himself. Quand Dieu résiste. When God resists. Ça dépasse ce que les démons font tous les jours. It is more than what the demons do every day in your life. Il dit, je livre au pillage. He said that I will deliver to plunder. Il dit, je vais t'asservir. Je vais t'asservir. He said that I will make you serve your enemies. Je vais te soumettre à la servitude. I will submit you to bondage. Ça dit, je vais laisser les maîtres dominer sur toi. That is, I will allow masters to rule over you. D'autres maîtres vont dominer sur toi. Other masters will rule over you. Et il dit. And he says. Béni soit l'homme. Blessed is the man qui se confie dans l'Éternel. Who trusts in the Lord. Et dont l'Éternel est l'espérance. And whose hope is the Lord. Il est comme un arbre planté près des eaux. For he shall be like a tree planted by the waters. Il étend ses racines vers le courant. Which spreads out its roots by the river. Et il ajoute. And he adds. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. And will not fear when heat comes. Et son feuillage reste vert. But its leaf will be green. Dans l'année de la sécheresse. And will not be anxious et in the year. Et n'a point de crainte. Nor will cease from yielding. Et il ne cesse de porter du fruit. Nor will he cease yielding fruit. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. That's what we call blessing. La bénédiction. Blessing. Il est comme un arbre qu'on a planté près d'un torrent d'eau. It is like a tree that is planted near waters. Les racines trouvent aisément de l'eau. The roots find water easily. Les feuilles sont toujours vertes. The leaves are always green. Il y a toujours le fruit. And it always bear fruit. Quand tu te confies à l'Éternel. When you trust in the Lord. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Premier pas vers la délivrance. First step toward deliverance. Si tu veux la vraie délivrance. If you want true deliverance. Le premier pas. The first step. C'est vers l'Éternel. Is toward the Lord. Le premier pas. The first step. C'est vers l'Éternel. Is toward the Lord. Si tu t'éloignes de If Dieu. If you depart from God. Il n'y a personne sur la terre qui no one on earth can deliver you. Si quelqu'un te trompe. If someone deceive you. Qui est tant séparé de Dieu. And makes you depart from God. Si quelqu'un te trompe, if someone deceives you, étant séparé de Dieu, being far from God, il peut t'aider. Can he help you? C'est un escroc. He is a crook.
Si tu vois un homme, if you see a man, qui sait que tu es séparé de Dieu, who knows that you are far from God, qui ne fait rien, who does not do anything, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, for you to be reconciled with God, et qui te dit je veux te bénir, je veux prier pour toi, and who says that I'll bless you, I'll pray for you, c'est un escroc. He's a crook. Attends les 5 minutes qui suivent, tu entendras donne-moi l'argent. And wait, 5 minutes later, you will hear him saying, give me money. Ça ne tardera pas. It will not tarry. Tu entendras bientôt, donne-moi l'argent. You will hear him saying, give me money. Et pas une petite somme. And not a small amount. Je devais, un couple m'avait appelé. A couple called me. Leur fille faisait la dépression. Their daughter was suffering from depression. Et nous sommes allés. And we went there. Pendant que je causais avec le couple, while I was speaking, talking with the couple, le téléphone du mari a sonné. The mobile phone of the husband rang. Et quelqu'un, non, c'était pas le téléphone, c'était un message. No, it was not it's not that it rang, but it was a message. Il avait reçu un message. He received a message. SMS. And a message. Et le message dit, Dieu a refusé l'ordinateur que tu as envoyé. And the message said, God refused the personal computer you gave, you brought. Il faut voir le fournisseur pour qu'il donne un autre ordinateur. Go and see the provider so that he gives another one. Et le mari m'a montré le message. And the husband showed me the message. Il me dit, le prophète avait dit que comme l'enfant a la dépression, ça a des liens avec l'intelligence. Donc il faut un objet intelligent comme offrande à Dieu. He said that since our daughter had a problem which has to do with the intelligent, we need an object that is related, an intelligent object, so that she will regain self-control. Ils ont acheté un ordinateur portable, ils ont donné. They bought a portable computer. Donc Dieu était en train de dire que ça, il refuse ça, il faut un autre. And God said that he refuses, Dieu, and it is another pas one. Notre Dieu, hein? C'est Dieu là. That God, not our God. Quand tu fuis Dieu, when you depart from God, pour t'appuyer sur l'homme, to lean on man, c'est ce que tu vas récolter. This is what you will reap. Mais si Dieu a pitié de toi, but if God have mercy on you, il te placera dans des voies droites. He will set you on straight ways. Il enverra ses anges à ton secours. And he shall bring his angels to rescue you. Et son bras va t'environner de jour comme de nuit. And his hand will surround you day in and day out. Jésus disait, Jesus said, venez à moi, come to me, vous tous qui êtes fatigués et chargés, all you who labor, je vous donnerai le repos. I shall give you rest. Quand tu refuses le Christ, when you refuse Christ, tu as rejeté le repos de you Dieu. Have rejected the rejected, si quelqu'un the d'autre te propose, te promet le repos, il te trompe. If someone else promises rest to you, he's deceiving you. Tu dois abandonner tes péchés. You must forsake your sins. Tu dois t'approcher de Dieu. You must draw near God. S'il y a quelqu'un dans cette salle, if someone is in this room, qui veut home, faire ce premier pas vers la vraie délivrance, who wants to make that first step toward true deliverance, cette réconciliation avec Dieu, that reconciliation with God, cet abandon des péchés que tu commets, this forsaking of sins that you commit, et pendant que tu m'écoutes, tu les vois. And while ils défilent sous tes yeux. While you are listening to me, you can see your sins on your eyes. Dans ton cœur, in your heart, tu connais tous tes péchés. You know all your sins. Tu peux décider, you can decide, que tu les abandonnes maintenant, to forsake them now, avant qu'on ne commence l'intercession, before we start interceding, et tu seras béni, and you will be blessed. Et si Jésus revient, and if Jesus comes back, tu entreras dans le royaume de Dieu, you shall get into the kingdom of the Lord, tu vivras dans l'éternité avec Jésus Christ, you shall live in eternity with Jesus, tu auras la vie éternelle, and you will have everlasting life. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, is there someone in this hall, qui veut faire ce pas, who wants to make that step, tu es en haut là-bas, ou bien tu es dehors. Or you are outside. Lève la main. Raise your hand. Venez ici rapidement. Come here speedily. Venez même en courant parce qu'on doit commencer la prière. Come running because we have to pray. Même si tu es malade. Even if you are sick. Tu peux même obtenir ta guérison pendant que tu te déplaces. You can even receive your healing while you are coming here. Parce que Jésus est là. Because Jesus is here. Pour t'accueillir dans le royaume. To welcome you in the kingdom. Jésus est là. Jesus is here. Pour t'accueillir dans sa maison. To welcome him, you in his house. Si tu as la colonne vertébrale tordue, il va redresser.
If your backbone is bent, he can make it straight. Si tu as l'hémorroïde, il va tirer ça dedans, tu vas guérir. If you are hemorrhoid, he will take it up and you will be healed. Et une guérison authentique, authentique, authentique. And a genuine healing. Venez, venez. Come. Lève-toi et viens. Lève-toi Rise et viens. Up and come. Que les barrières s'écroulent. Let the barrier be fallen. Les barrières s'écroulent. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Oui, lève-toi et viens, lève-toi et viens, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Rise up and come, rise up and come. Ne résiste pas. Do not resist. C'est le Saint-Esprit qui te parle. It is the Holy Spirit speaking to you. Le Saint-Esprit fait défiler devant toi tes péchés, tes abominations. The Holy Spirit makes the sins passing before you. Il te montre tes adultères. It shows your adultery. Tes prostitutions. Your prostitution. Il te montre tes masturbations. It shows you your masturbation. Quand tu vas chez les féticheurs, when you go to the fetish man, les empreintes sont restées dans le sable. Your prints are in the sand. Quand tu veux adorer Dieu sans Jésus, when you going to worship God without Jesus, tes péchés défilent devant toi. The sins are passing before you. Tu n'auras pas la paix sans Jésus. You will not have peace before. Tu n'auras pas la paix sans Jésus. You will not have peace without Jesus. Tu n'auras pas la paix sans Jésus. You will not have peace without Jesus. Tu te confies à la religion. Tu te confies à la religion. You trust yourself into religion. Quand Jésus est absent, when Jesus is missing, la religion devient une idolâtrie. Religion becomes an idolatry. Une idolâtrie. An idolatry. Jésus est la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Jesus is the light which came in the world and lighted all men. Quand il est absent, when il y a l'obscurité, tout est noir. When you are, he is missing, you are in darkness, everything. Si tu veux le salut de Dieu, if you want the salvation of si God, tu veux le vrai salut de Dieu, if you want the true salvation of God, donne ta vie à Jésus Christ. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus Christ. Give your life to Jesus. Et écoute le conseil qu'il te donne. And listen to the counsels he gives. Écoute le conseil qu'il te donne. Listen to the counsels he gives. Lis pour nous Marc chapitre 7 verset 21 et 22. Read for us Mark chapter 7 verse 21 and 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Oui, Jésus te dit, ton cœur, Jesus tells you that c'est your dans heart, ton cœur que les péchés habitent. The sins dwell in your heart. Il y a le vol. Il dit, c'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées. He says that the evil thoughts stem from your heart. Les adultères, adulteries, même si tu ne commets pas en pratique, if you do not commit it in practice, tu regardes les femmes, tu vois seulement, tu veux coucher avec toutes les femmes que tu rencontres. You just want to sleep with all the women you meet. Et si tu es une femme, tu vois les hommes, tu vois ceux qui sont de petite taille, tu veux les essayer. Tu vois les grandes tailles, tu veux essayer. And if you are a woman, you want to try the men of all size. J'avais demandé à une femme, tu cherchais tous ces hommes pourquoi? I asked a woman, why did you seek all these men? Elle m'a dit, c'est la curiosité. And she told me it is curiosity. C'est dans le cœur que ça commence. It starts in the heart. L'impudicité, les meurtres, murder, les vols, fornication, les cupidités, covetousness, les méchancetés, wickedness, la fraude, deceit, le dérèglement, lewdness, le regard envieux, evil eye, la calomnie, blasphemy, l'orgueil, pride, la folie, foolishness, et les choses semblables, and la sorcellerie, in the likeness, witchcraft, les fétiches, fetish, l'alcool, alcohol, tous ces péchés, all those sins, suit ton âme. Defile your soul. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Si ces choses sont dans ta vie, if those things are in your life, tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and lève-toi come. Et viens. Rise up and come. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus.
Vous êtes béni, dites amen. You are blessed, say amen. Vous avez écouté la parole. You yourself heard the word. Béni soit tout homme qui se confie à l'Éternel. Blessed be any man that trusts in the Lord. Là où vous êtes, where you are, vous êtes déjà béni. You are already blessed. Même si je refuse même de vous bénir, even, Dieu va vous bénir. Even if I refuse to bless you, God will bless you. Et je n'ai aucun intérêt. And I have no interest. Moi-même, je dois être béni, donc il faut que je vous bénisse. And myself, I must be blessed, so I have to bless you. Parce qu'il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Because he said that I bless those who bless you. À partir d'aujourd'hui. Starting from today. Vous êtes entré dans la famille de ceux que Dieu protège. You have entered the family of those God protects. Il vous protège. God protects you. Il va veiller sur vous. He will watch over you. Hallelujah. Praise the Lord. Jésus est vivant. Jesus is alive. Là où vous êtes, where you are, même si on vous a déjà mangé dans la sorcellerie, even if you have already been eaten in witchcraft, comme on dit que les sorciers mangent les gens, as they said that sorcerers eat people, et c'est vrai, and it is true, ils le font, they do it, mais but avec toi, with you, si tu m'entends, if you hear me, tu vis, you live, et ils vont te vomir, and they will vomit you. Si tu m'entends, si you, tu m'entends, if you hear me, if you hear me, tu ne mourras pas comme ils ont planifié. You will not die as they have planned. Si ton découpe, s'il y a une corde à ton cou, au nom de Jésus, elle est brisée. If there is a thread on your neck, in the name of Jesus, it is broken. Jésus dit, il est venu libérer les captifs. Jesus came to set the captives free. Il est venu rendre libres les prisonniers. He came to set the prisoners free. C'est le travail de Jésus. It is the work of Jesus. C'est le travail de Jésus. It's the work of Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Tu es courbé, Jésus te redresse. If you are bent, Jesus will make you straight. Jésus va laver le cerveau de ceux qui sont embrouillés parmi vous. Jesus will wash the brains of those who are troubled. Le désir de fumer, the desire, troqué, c'est fini. The desire, tu vas rendre témoignage ici. The desire to smoke and take drug is over. You will testify here. Il est écrit. It is written. Je vous donnerai un cœur nouveau. I shall give you a new heart. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. I shall remove from your heart the heart of rock and I give you a heart of flesh. Je vous donnerai un esprit nouveau. I shall give you a new spirit. Et il dit, afin que vous puissiez observer et pratiquer mes ordres. For you to obey the commandments of the Lord. Vous aurez la capacité de marcher selon la volonté de Dieu. You will be blessed with the ability to walk according to the purposes of ça God. Ça ne vient pas de vous. It does not come from c'est you. C'est une promesse de Dieu. It's a promise from God. C'est une promesse de Dieu. It's a promise from God. Levez vos mains. Raise your hands. Répétez après moi. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Tu m'as appelé ce soir. You have called me here tonight. J'ai dit oui. I say yes. Je me donne à toi. I give myself to you. Je te donne ma vie. I give you my life. Je prie que tu me pardonnes. I pray that you forgive me. Tous les péchés que j'ai commis. All the sins I committed. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour. From my birth up to this day. Je prie que tu me laves par ton sang précieux. I pray that you wash me with the precious blood. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your Lamb book of life. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. J'accepte. I accept qu'on me sépare des malédictions de ma famille. To be separated from the curses of my families. J'accepte. I accept qu'on me sépare de toute la sorcellerie de ma famille. To be separated from all the witchcraft of my family. J'accepte. I accept qu'on me sépare de toutes les alliances démoniaques de ma famille. To be separated from all the demonic covenant of my family. Je suis devant toi. I am before you. Je me donne à toi. I give myself personne to you. Personne ne m'y oblige. No one compels me. Je me donne moi-même. I give myself tu m'as appelé et je dis oui. You have called me and I say yes. Je dis oui consciemment. I say yes consciously. Et je t'accepte. I accept you. Je viens volontairement. I come to you now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Lève ta main et bénissons-les. Stretch your hand and let us bless them. Quand vous vous demandez seulement pardon à Dieu, l'église prie pour vous. You continue to ask God to forgive you and the church prays for you. Merci Seigneur.
Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Amen. Vous êtes déjà des frères. You are already brethren. Il reste le conseil qu'on va vous donner pour la repentance, le baptême, le brisement des liens. And you'll be given some advice for repentance, baptism, and the breaking of evil ties. Les conseillers vont s'occuper de vous. And après l'intercession. And the counselors will take care of you. Tu vas prier maintenant. You will pray. Tu peux prier. You can pray. Dieu va t'exaucer. God will grant you. Tu es déjà un enfant de Dieu. You are already a child of God. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Première chose. First thing. Nous allons faire la prière de compassion. We are going to make the prayer of compassion. Si tu connais quelqu'un qui est dans les problèmes, if you know someone who is in trouble, prie pour la personne. Pray for that person. Même si c'est un ennemi, quelqu'un qui veut que tu meurs. Even if it is an enemy, someone who wants you to die, prie pour lui. Pray for him. C'est ça, Jésus-Christ. This is Jesus. Et le roi David disait, and the King David said, quand ses ennemis tombent malades, when his enemies fall sick, il prend un jeûne pour eux. He takes a fast for them. Et il maigrit. And he becomes slim. Mais quand il tombe malade, les gens viennent vérifier s'il va bientôt mourir. But when he falls sick, people come to check if he will die soon. Et ils s'en vont raconter partout. And they go and tell it everywhere. Mais un enfant de Dieu, but a child of God, il est comme Jésus. He's like Jesus. Père, pardonne-leur. Father, forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Si tu connais quelqu'un, if you know someone qui est misérable, who is miserable, il se débrouille, tombe, il veut travailler, rien ne marche. He tries and falls. He wants to work and nothing works. Il vieillit dans la misère. And he's getting old in misery. Prie pour la personne. Pray for that person now. Même si tu ne connais pas son nom. Even if you do not know his name. Seigneur, cet homme que j'avais vu quelque part là. Say, oh Lord, that man I saw somewhere. Viens son secours. Come and rescue him. Dieu va t'exaucer. God will grant you. Et ton nom. And your name sera écrit parmi les grands. Will be written among the great. Parce que tu as intercédé pour les autres. Because you interceded for others. Jésus a dit. Jesus said. Si vous priez seulement pour vos amis. If si vous aimez seulement vos amis. If you only love your friends. Même les païens font la même chose. Even the heathens do the same thing. Il dit, aimez vos ennemis. He said, love your enemies. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pray for those who persecute you. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bless those who curse you. Ton ennemi a faim. Your enemy is hungry. Donne-lui à manger. Give him food to eat. Il a soif. Donne-lui à boire. If he is thirsty, give him water to drink. Et ça fait partie du combat spirituel. And this is part of the spiritual warfare. Ça fait partie du combat spirituel. Part of the spiritual warfare. Ça fait partie de la sainteté. It is part of holiness. Ça fait partie de la grandeur spirituelle. It is part of spiritual greatness. Commençons. Let us start. Merci Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Start saying, give him thanks to Jesus. Dis-lui merci. Give him thanks. Parce qu'il t'a exaucé. Because he has granted you. Merci.
Maintenant, nous allons intercéder pour nos besoins. Now we are going to intercede for our needs. Pour ceux qui sont là pour la première fois. For those who are here for the first time. Dieu est notre Père. God is our Father. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons rien craindre. The word of God tells us that we must fear nothing. Mais que nous devons présenter nos besoins à Dieu. But that we must present our needs to God. Par des prières. Through prayers. Par des supplications. Through supplications. Et avec des actions de grâce. And with thanksgiving. Et la parole de Dieu nous dit. And the word of God tells us. Que Jésus a ouvert le ciel. That Jesus has opened heaven. Et nous pouvons maintenant entrer librement auprès de notre Père. And that we can draw near to our Father freely. Avant, ce n'est pas tout le monde qui priait. In the past, not everybody could pray. Les gens allaient chez le sacrificateur. People went to the priest. Et lui priait pour eux. And he prayed for them. Mais Jésus est venu ouvrir le ciel. But Jesus came to open heaven. Il a fait de nous tous des sacrificateurs de Dieu. He has made of all of us priests for God. Et la Bible dit, and the Bible says, approchons-nous donc de lui avec des cœurs sincères. Let us draw near him with sincere hearts. Dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith. Des cœurs sincères. Sincere hearts. Dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith. Les corps lavés d'une eau pure. Heart, body washed with pure water. Et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. And heart purified from a wicked, an evil conscience. Alléluia. Praise the Lord. Jésus, il attend de nous des prières. Jesus is expecting prayers from us. Dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. To find approche-toi grace, de lui. To help find help in our needs. Approche-toi du trône de la grâce. Draw near the throne of grace. Pour être secouru. To be helped. Dans tes besoins. In your needs. Jésus peut compatir Jesus, avec nous. Jesus can have compassion with us. Il peut compatir à nos faiblesses. Il nous comprend. He understands us. Il sait ce que nous traversons. He knows what we are going through. Il a vécu dans ce monde. He lived in this world. Il connaît. He knows ce qui est sur la terre. What is on earth. Si tu cries à lui, if you cry out to him, il va exaucer. He will grant you. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tu peux présenter à Dieu 10 besoins. You can present God 10 needs. Tu enlèves ce qu'il a déjà donné. You remove what he has already given. Tu lui redis les mêmes choses. And you tell him the same things. Si tu te rends compte, if you realize que tu t'es trompé dans le discernement, that you have made a mistake in the discernment, il y a une chose que tu veux ajouter, and that there is something sans you want libre, to add. Feel free. La Bible dit, approchons-nous avec assurance. The Bible said that let us draw near boldly. On limite pourquoi? On limite pour nous apprendre à discerner nos vrais besoins. Why do we confine it or limit it for us to learn to know our true needs? Parce que si tu entres dans une chambre de réanimation à l'hôpital, if you enter a reanimation room at the hospital, tu demandes au patient qui est là couché, you ask the patient that is lying there down, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? What do you want God to give you? Il va dire,
qu'il me guérisse. He will say, let him heal me. Un seul besoin. Quand c'est sérieux là, ça diminue. Only one need. When it is earnest, it decrease. It dès qu'il guérit, decrease. But as soon as he gets commence healed, à dire qu'il veut déjà rentrer à la maison. He starts saying that he wants to get back home. Après, and after, il dit, il me faut un vélo, une voiture, une maison et de l'argent. Donc, et les besoins se multiplient. His needs will multiply. Ça veut dire qu'un homme consacré, it means that a consecrated man raccourcir la liste de ses besoins, can make short the list of his needs. Et l'essentiel qui reste, and the essential that remains, doit être tel que Dieu le Père même ne peut pas discuter avec toi. Will be in such that God the Father himself will not cannot argue with you. Parce qu'il sait que c'est un besoin pour toi. Because he knows that it is a need. Prions ensemble. Let us pray together. Parle avec foi. Speak with faith. Dis, oh Père. Say, oh Father. Ici, mais ici, à ce niveau-là, on ne dit plus Éternel des armées. At this level, we don't say Lord God of hosts. Jésus a dit. Jesus said, quand vous priez, when you pray, dites, say, notre Père qui est aux cieux. Our Father that which is in heaven. Il faut que tu apprennes à appeler Dieu ton Père. You must learn to call God your Father. Les autres qui ne le connaissent pas allument les bougies, se tiennent à distance. Ils disent à la bougie de faire monter les prières. The others stand in a distance and tell the candle to make the prayer get up to heaven. Mais toi, tu es son enfant. Il est ton père. But you are his child and he is your father. Il est ton père. He is your father. Quand Jésus priait, il disait Père. When Jesus prayed, he said Father. Et les gens étaient fâchés que pourquoi il appelle Dieu son père. And people were upset why he calls God his father. Dis, oh Père. Say, oh Father. Exauce-moi. Grant me. Quand tu commences à parler. Start speaking. Priez, priez, Dieu va vous exhorter, ne restez pas tranquille. Priez, 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 priez. Dis, oh Père, oh Father, exauce-nous, exauce-nous. Grant us, grant us. Oh Père, oh Father, par tes compassions, by your compassions, exauce-nous. Grant us. Par ta miséricorde, by your mercy, exauce-nous. Grant us. Par ton amour, by your love, exauce-nous. Answer us. Par ta bonté, by your goodness, exauce-nous. Answer us. Tu es tout puissant. You are all powerful. Tu as créé toutes choses. You have created all things. Tu peux tout. You can all. Tu es élevé. You are elevated. Tu es souverain. You are sovereign. Celui à qui tu pardonnes est pardonné. The one you forgive is forgiven. Celui que tu condamnes est condamné. The one you condemn is condemned. Celui que tu élèves est élevé. The one you lift up is lifted up. Celui que tu rabaisses est rabaissé. The one you bring low is brought low. Celui à qui tu donnes la vie vivra. The one to him you give life shall live. Celui à qui tu enlèves la vie mourra. The one to him from whom you take life will die. C'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui ôtes la vie. You are the one who gives life and you are the one who takes away life. À toi la gloire. You are the glory. C'est à toi la force. To you for c'est à toi la richesse. Rich. C'est à toi l'honneur. Honor to you. C'est à toi l'intelligence. Intelligence is yours. C'est à toi toute chose. All things is yours. La gloire, l'honneur, la puissance, le règne. Honor, power is yours. La gloire, l'honneur, la puissance, le règne. Glory, honor. La louange, la richesse. Praise and rich. Et la force. And strength. Sont à toi. Oh Père. Oh Father. Prends ton frère par la main.
Hold your brother by his hand. Dis, oh, Père. Say, oh, Father. Exauce-nous. Grant us. Nous crions à toi. Let we cry out to you. Tu peux nous secourir. You can help us. Tu peux nous aider. You can help us. Tu connais nos faiblesses. You know our weaknesses. Tu connais nos besoins. You know our needs. Oh, Père. Oh, Father. Exauce-nous, exauce-nous. Grant us. Prions à l'encre. Ora la casarga 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 la Ora ga baga sika baga ora ga baga jere baga go baga jere baga ara ga baga jere baga ara ga jere baga go nda ra ka bara ka saka goro ba se ga ra ba ka ra ba de gori ba ka se de kere ba ta ra ba sa ra gori ra ka sa na ka ba sa na ka bara ka sa ga ora ga baga se ri ba ga ra ka se ra gori ba ka se ra gori ba ka se ri ba ga ra ka se ra gori ba ka ka se ri ba ga ra ka se ra gori ba ka se ri ba ga ra ka Oh Père, oh Father, donne tes ordres à notre sujet. Give orders about us. Donne tes ordres à notre sujet. Give orders about us. Exauce le petit. Grant the young. Exauce le plus grand. Grant the oldest. Exauce le jeune. Grant the young. Exauce le vieillard. Grant the oldest. Exauce le pauvre. Grant the poor. Exauce le riche. Grant the rich. Viens au milieu de nous. Come in our midst. Relève notre face. And relève notre face. Lift us our face. Relève notre face. Lift up. Rétablis chacun dans son héritage. Establish each one in his heritage. Rétablis chacun dans son héritage. Establish each one in his heritage. Restaure tous ceux qui ont perdu leur héritage. Restore all those who have lost their heritage. À cause de leur péché. Because of their sin. Pardonne, pardonne, forgive, oh pardon. Forgive, forgive. Pardonne et restaure, pardonne et restaure. Forgive and restore. Forgive pardonne and restore. Restore. Forgive and restore. Pardonne et restaure. Forgive and restore. Pardonne et restaure. Forgive and restore. Continue à prier. Continue to pray. Dis, oh Père. Say, oh Father. Place chacun à ses lieux élevés. Set each one in his high places. Place chacun de nous à ses lieux élevés. Set each of us at his high places. Continue à prier. Continue to pray. Dis, oh Père, say, oh Father, ordonne la guérison de ceux qui sont malades. Order the healing of those who are sick. Ordonne la guérison de ceux qui sont malades. Command the healing of those who are sick. La guérison de toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. Healing from all type of sickness. Oh sort Père, of oh Father, tu es notre guérison. You are our healing. Donne tes ordres. Give orders. Pour la guérison de tous ceux qui sont malades. For the healing of all those who are sick. Continue à prier en langue. Continue to pray. Ora baka shir 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 Ora kasanga ra bakasara ora bakasana baka ondoro buseke ondoro buseke ribeke sikai kambara makere bala basinara ora bakasada kabare kaba
Dis oh Père, oh Father, ordonne la guérison de tous ceux qui sont malades. Order the healing of oh Père, oh Father, ordonne la délivrance de ceux qui sont liés, enchaînés. Give order for the deliverance oh of Père, oh Father, ordonne la délivrance de ceux qui sont liés, enchaînés. Command the deliverance of God. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Ora baka serba kala ka serba kala ka serba kala ora baka serba kala ka serba kala ora baka serba kala ka serba kala ora baka serba kala ora kara baka serba kala si ondo roko serba kala si ora baka la bari baka la ora baka la bari baka la si ora baka la bari baka la si ora baka la bari baka la si ora baka serba baka la ora baka la baka 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 ora baka la baka 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 ora baka la baka 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 Dis, oh Père, oh Father, que tout complot contre ton peuple soit banni parmi les hommes. Que tout complot contre ton peuple parmi les hommes soit banni. Let any plot against men be banished. Banished. Que tout rassemblement d'esprits méchants contre nous soit dispersé. Let any meeting of wicked spirit against you be scattered. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Urbaka jirbaga. Left your hand toward. Raise your right hand. Dis Père. Say Father. Que tout rassemblement d'hommes méchants. Let any meeting of wicked men. Tout complot d'hommes pervers. Any plot of perverse men. Toute personne qui a décidé. Any person who has decided. Par méchanceté. By wickedness. Que tant qu'il est vivant, that as long as he's alive, nous ne pourrons jamais avancer. We will not be able to go ahead. Any person qui a juré avec ou sans imprécation, who has sworn que nous allons évoluer toujours sous ses pieds, that we will always evolve under his feet. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous l'enlevons de notre chemin. We remove him from our way. Nous le jetons. And we cast him out. S'il est sur un poste de commandement, if it is on a position of commandment, qu'il utilise pour pratiquer le mal, and it is used to practice good evil, nous l'enlevons et nous plaçons un juste. We remove him and we set a just. Nous enlevons le méchant et nous plaçons le juste. We remove the wicked one and we set the just. Dis, Seigneur. Say, Lord. L'homme n'est pas Dieu. Man is not God. C'est toi qui es Dieu. You are God. Nous proclamons. And we proclaim. Que l'homme n'est pas Dieu. That man is not God. Que ses œuvres. That his works. Que les œuvres de l'homme méchant soient écrasées. Let the works of wicked men be crushed. Que ses projets contre ton peuple soient brisés. Let his project against his people be broken. Continue à prier. Continue à prier. Dis, je proclame. Say, I proclaim que Jésus a paru. That Jesus appeared
afin de détruire les œuvres des méchants. In order to destroy the work of the wicked one. Afin de détruire les œuvres du diable. In order to destroy the work of the devil. Les œuvres de tous ceux qui servent le diable. The work of all those who serve the devil. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Toute œuvre d'homme pervers. Any work of perverse man. Contre nous. Against us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous écrasons. We crush. Nous anéantissons. We blend. Nous brisons. We destroy. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Toute œuvre. Any work. Toute parole. Any word. Prononcée pour détruire. Declare to destroy. Nous la renversons. We overthrow it. Elle ne s'accomplira jamais. It shall never be accomplished. Il est écrit. It is written. Il n'y a pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Il n'y a pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Que tous ceux qui ont volé nos bénédictions viennent les remettre. Let all those who have stolen our blessings. Qu'il n'ait pas de paix. Let them not have peace. Jusqu'à ce qu'ils aient tout remis. Until they give it back. Continue à prier avec violence. Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous détruisons toutes les barrières. We destroy all the barriers. Placées sur le chemin des enfants de Dieu. That are set on the ways of the children of God. Toutes les barrières. All the barriers. Toutes les barrières. All the barriers. Les prisons. We break them. Et nous frayons le chemin. And we pave the way. Nous frayons le chemin. We pave the way. Continue à prier. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand upon your head. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je me sépare. I separate myself de toute personne. From any person qui porte le même nom que moi. That bear the same name as me. Je me sépare de toutes les malédictions qui l'ont suivi. I separate myself from all the blessings that followed me. Je me sépare de ceux qui sont vivants. I separate myself from those who are alive. Je me sépare de ceux qui sont morts. I separate myself from those who are dead. Continue à prier. Continue to pray. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je protège toute personne. I protect any person. Qui m'a fait du bien. Who has done good to me.
Car il est écrit, for it is written, je bénirai ceux qui te béniront. I shall bless those who bless you. D'ici l'ennemi se lève, if the enemy rise up, contre une personne qui m'a fait du bien, against any person who has done good to me, qu'il soit terrassé, let him fall down, qu'il soit renversé, let him be overthrown, que ses armes soient brisées, let his ways be broken. Dis, j'insiste, que toute personne qui m'a fait du bien, that any person who does good to me, est protégé. Is protected. Maintenant même. Now. Continue à prier. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Raise your hand and say in the name of Jesus. Je protège. I protect. Toute personne qui est en train de travailler pour moi. Any person that is working for me. Toute personne qui est en train de me faire du bien. Anybody that is doing good to me. Toute personne qui a l'intention de me faire du bien. Any person that is intending to do good to me. Il faut bien prier parce que quand Dieu veut travailler, il peut envoyer les anges, il peut envoyer les hommes. Pray well because when God works, he can send angels and he can send men. On a vu dans Daniel comment un démon barre la route à un ange. We saw in Daniel how a demon blocked the way to an angel. C'est la même chose au niveau humain. It is the same thing at a human level. Dieu peut dire à quelqu'un va donner 1 million à mon enfant et God, le démon barre sa route. God can tell someone go and give 1 million to my child and the demon bars the way. Dieu peut libérer un mari. God can release a husband. Pendant qu'il s'approche de toi, un démon vient se mettre en route. While he's coming near you, a demon comes and stands on the way. Donc tu bénis tout ce qui te font du bien. So you bless all those who do good to you. Tous ceux qui sont en train de te faire du bien. All those who are doing good to you. Tous ceux qui ont l'intention de te faire du bien. All those who are intending to do good to you. Tout ce que Dieu utilise pour te faire du bien. All those God uses to bless you. Tu as la responsabilité de les protéger. You have the responsibility to protect them. Parce que tu es un intercesseur. Because you are an intercessor. Tu exerces l'autorité au nom de Jésus-Christ. You exercise authority in the name of Jesus. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a l'intention de nous faire du bien soit protégée. Deux personnes qui ont l'intention de nous faire du bien soient protégées. Deux personnes qui sont en train de nous faire du bien soient protégées. Deux personnes qui nous a déjà fait du bien soient protégées. Que la voie soit libre devant toute personne. Gonarabashangaramana. Gonarabasegalamana. Gonaramasegarabakashala. Gonaramasegarabakashala. Gorunakasagarabakashara. Gloria bakashara la bakashara. Ona bakara bakashara. Amen. Pose la main sur ton frère. Lay your hand upon your brother. Dis Père. Say Father. Guéris toute maladie dans ce corps. Heal any sickness in this body. Intercédons pour une guérison qui vient du trône de Dieu. Let us intercede for the healing that is from the throne of God. Que chaque corps reçoive la guérison de Dieu. That all the bodies receive the healing of God. Que les cellules reçoivent la guérison de Dieu. That the cells receive the healing of God. Dis frère, sois guéri au nom de Jésus. Say brother, be healed in the name of Jesus. Dis encore, frère, sois guéri au nom de Jésus. Say it again, brother, be healed in the name of Jesus. Dis frère, sois guéri des maladies cachées. Brother, be healed from the hidden sickness. Sois guéri des maladies révélées. Be healed from the revealed sickness. Sois guéri. Heal. Sois guéri maintenant même. Be healed now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que ton corps. I command you. Reçoive la guérison. Receive the healing. Prions Allah. Karabakara. Gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 gora bakara 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 bakara
Qu'il soit guéri. Let me heal. Que la maladie soit écrasée. Let sickness be crushed. Quel que soit le mal. Whatever the sickness. Qu'il disparaisse. Let it disappear. Que les boules disparaissent. Let the balls disappear. Que les fibromes disparaissent. Let fibroids disappear. Que les hémorroïdes disparaissent. Let hemorrhoids disappear. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les virus. Let the viruses disparaissent. Disappear. Que les cancers disparaissent. Let cancers disappear. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Que les organes Let organs soient changés. Be changed. Que les organes défaillants soient changés. Let sick organs change. Le cœur, les poumons, the lungs, le foie, le liver, les reins, la rate, le pancréas, les intestins, intestines, l'estomac, bone, le rectum, rectum, guéri, heal, la vessie, guéri, heal, la prostate, guéri, heal, au nom de Jésus-Christ, que la maladie, la sickness, soit écrasée. Dis au nom de Jésus que le sida disparaisse, que les hépatites disparaissent, que le diabète disparaisse, au nom de Jésus-Christ, que l'hypertension disparaisse, que l'hypotension disparaisse, au nom de Jésus-Christ. Continue à prier en langue. Disparaissent. Disappear. Que les mots Dieu disparaissent. Aïe, peine disappear. Au nom de Jésus-Christ. Ne l'aime pas. Bagashur, bagashur, bagala, 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 bagala, bagashur, bagala, bagashur, bagala, bagashur, bagala, 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 que les colonnes vertébrales soient redressées. Let que les os usés soient reconstitués. Let cells be que la guérison soit libérée. La guérison soit libérée. Healing la guérison, la guérison, la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. La guérison. La guérison, la guérison. Maintenant, chacun pose les mains sur sa tête et tu poses là où tu as mal. And now, que tout mal, let any pain, logé là où la main a été posée, located in this place, disparaisse, disappear, que la guérison descende de la tête, let healing descend jusqu'à la plante des pieds, up to the soles of la guérison divine, divine healing, acquise à la croix par Jésus-Christ, acquired on the cross by Jesus, car par les maîtrisures de Jésus, by nous sommes guéris. We are nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Par les maîtrisures de Jésus. By the stripes of nous Jesus. Sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Ora kabaga jor baga go bajer baga go bajer baga go bajer baga. Ora kabaga jor baga go bajer baga ora kabaga jor baga jor baga. Ora kabaga jor baga go bajer baga go bajer baga. Ora kabaga jor baga go bajer baga go bajer baga. Ora kabaga jor baga go bajer baga.
Dis, je proclame, je proclame que par les maîtrisures de Jésus-Christ, by the wounds of Jesus, je suis guéri, je suis guéri. I am healed, I am healed. Je suis guéri, je suis guéri. I am healed, je suis guéri, je suis guéri. Je suis guéri. I am healed. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Asseyez-vous. Get seated. Nous allons continuer demain. We are going to continue tomorrow. Travaillez sur les idoles. Les baobabs sont déjà en train de tomber. Work on the idols. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, you know, le baobab veut toujours rester. Baobab always want to remain. Ne sois pas surpris que tu arrives le premier jour, aucun démon ne se manifeste. Au 30e jour, quand le baobab est touché, tu tombes. Ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé depuis. C'est qu'il y a baobab et baobab. So, do not be surprised that when you came from the first day, nothing, but up to the 30th day, you fall down. It means that the baobab is falling, has fallen. Et ajouter la consécration au travail. So add the consecration to the work. Tu dis à Dieu, tell God, je suis à toi. I am to you. I am yours. C'est le plus grand vœu. It's the greatest vow. On dit faites les vœux et accomplissez-les. The Bible says that make oaths and fulfill them. Il y a le vœu de consécration. There are vows of consecration. Tu dis à Jésus, tell Jesus, j'ai demandé des choses. I ask things. Si tu me bénis, if you bless me, je suis à toi tous les jours de ma vie. I am yours all the days of my life. Et je serai à toi avec toute ma famille et tous mes biens. And I will be yours with all my families and all my wealth. Dieu aime la consécration. God loves consecration. Dieu, il est en train de travailler pour nous. God is working for us. Il travaille dans les cieux, dans he les works célestes. In heavenly realms. Il travaille dans les abîmes. He works in the abyss. Un frère nous a rendu témoignage. Dieu l'a amené dans les abîmes a brother pour voir le combat. God took him into the abyss for him to see the battle. Il combat dans les mers, dans les fleuves, dans les lacunes, partout où il y a un adversaire contre un seul d'entre nous. Il y a le travail, il y a la guerre là-bas. He fights everywhere there is an opponent against us. He works there. Ajoutons les actions de grâce. Let us add thanksgiving. Comme je vous ai dit par révélation hier. As I told you by revelation yesterday. Si tu sens une résistance. If you feel a resistance. Ne cours pas vers le brisement des liens. Ne cours pas pour dire brisez-moi encore les liens. Do not run to say break my evil ties again. Parce que nous sommes en train de prier que Dieu délivre la famille. Because we are praying for God to deliver the family. Quand les ennemis se manifestent dans ce cadre-là. When the enemies manifest themselves in that framework, ne ramène pas ça nécessairement vers le brisement des do not necessarily continue dans les supplications. Dis à Dieu qu'ils sont encore là. J'ai vu un, ils se manifestent encore. Délivre. Tu te poses toi la question, s'ils me résistent, à combien plus forte raison les ivrognes de la famille? So ask yourself the question, if he resists me, how much more the drunkards of the family? Si mari de nuit te poursuit, if a nice husband qu'est-ce pursues qui arrive you, à tes cousins, ou à tes cousines, then what happened to your cousins? Païens. Which who are pagans? C'est que ils sont donc morts, mais so morts, morts. So they are dead. Donc ça doit te provoquer. So this must provoke you. Pour approfondir les supplications. To go deeper in the supplications. Si tu ramènes cette bataille aux prières personnelles, on a échoué. If you bring this battle to the personal prayers, we'll fail. Dieu aime quand on prie pour le salut de nos familles. God loves that we pray for the salvation of our families. Et ils seront tous sauvés. And all of them will be saved.
Il y a des villages vont se convertir. Some villages will be converted. Vous verrez des villages entiers convertis. You will see some entire villages converted. Père, que ta grâce soit sur nous. Amen. Que la sagesse pour la bataille nous soit communiquée. Amen. Que ton esprit agisse et que ton esprit nous dirige. Amen. Car il est écrit dans ta parole que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oh Seigneur, fais ton travail et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.